La fusillade devant le siège du gouvernement italien faisait la une des journaux ce lundi à Rome. La presse évoque même les fantômes des années de plomb. Dimanche, un homme a tiré sur des carabiniers en faction devant le bâtiment, alors qu'à quelques centaines de mètres de là, le nouveau président du Conseil et ses ministres prêtaient serment. Deux policiers ont été blessés, l'un d'eux très grièvement. Le pronostic du corps médical le concernant est réservé. Enrico Letta a rencontré la famille du carabinier. Nous sommes en lien étroit avec les carabiniers, la police et bien sûr avec la famille du sergent John Grande, notamment sa fille, dont la force est extraordinaire, a dit le nouveau président du Conseil. Je pense qu'il est temps de nous unir, famille et police, pour mener à bien notre mission. L'auteur des tirs serait un ancien maçon. Au chômage et séparé de sa femme, il aurait aussi perdu toutes ses économies au jeu. Arrêté sur les lieux de la fusillade, ce Calabrais de 49 ans a déclaré aux enquêteurs avoir prévu de tirer sur des politiciens. N'en ayant trouvé aucun à sa portée, il se serait alors rabattu sur les carabiniers.